on a entendu donc les différents régimes de nos invités. Je voudrais qu'on revienne sur chacun de ces régimes et que vous nous disiez d'abord ce que vous en pensez et si on peut les suivre, puisque souvent ça a été contre l'avis des médecins et avec un refus catégorique concernant Elif. On va y revenir. Moïse, tout d'abord, qui est à vos côtés, vous l'avez entendu, régime sans hydrate de carbone avec de la choucroute le matin. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a plusieurs groupes de régimes dans cette histoire. Il y a le groupe des régimes la famine. Ça veut dire, je me mets à la grève de la faim, c'est Elif, c'est un petit peu Rachel, et puis c'est la pomme de temps en temps. Ce qui veut dire, je ne mange plus du tout, donc je maigris. Que fait une bande de gars qui sont sur un radeau quand il n'y a plus personne, quand il n'y a plus rien à manger sur le radeau? Ils mangent les copains. Et bien là, en l'occurrence, quand ils n'ont plus à manger dans leur assiette, ils se mangent eux-mêmes, ils vont manger leurs muscles. Alors quand on dit Elif, je vais très bien parce que ma prise de sang, etc., c'est une grande erreur. Pour savoir si vous allez bien normalement, il faudrait voir si on fait une biopsie hépatique, une biopsie cardiaque, ce qu'on ne va pas vous faire, ou une biopsie musculaire, dans quel état sont vos organes. Or, lors du ghetto de Varsovie, les gens ont survécu 18 mois, avec des régimes à 600 calories. Ils ont survécu. Et quand on a autopsié les corps, on a retrouvé des cœurs qui avaient des dimensions de moitié inférieures à la normale. Ce qui veut dire qu'on peut faire une insuffisance cardiaque parce qu'on s'est mal alimenté. Alors on n'en meurt pas tout de suite, mais on en meurt 10 ans après. C'est la même chose avec les amphétamines que vous avez prises, dans les régimes que vous décriviez à juste titre comme des régimes délirants. Les amphétamines ont tué des gens à retardement. Il existe des produits désormais interdits qui, 10 ans plus tard, ont créer ce qu'on appelle des hypertensions artérielles pulmonaires avec des décès 10 ans après la prise des amphétamines. Ça s'appelle un régime dangereux.